the mountains moved away for me. La méchanceté, l'hypocrisie, les calomnies, la haine, le mépris. Incomparable Dieu, admirable, inébranlable, incomparable. Tu es Dieu, et nous te donnons la gloire. Tu mérites d'être célébré. Tu es Dieu, tu es Dieu, et nous te donnons la gloire. Incomparable tu es, Dieu tout puissant tu es, il n'y a personne comme toi, tu es Dieu tout puissant, envoie ton esprit, tu es le bienvenu Saint-Esprit, Dieu vivant. Ta puissance en ce lieu, ta puissance en parole et ta puissance dans la dimension prophétique. Tu es tout puissant. Tu sais toutes choses. Tu vois toutes choses. Tu peux toutes choses. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Merci Seigneur. Tu mérites l'honneur et la gloire Seigneur. En ce premier dimanche de l'année, nous voulons t'offrir notre adoration. Nous voulons t'offrir notre célébration. Nous voulons t'offrir nos craintes, nos défis, nos batailles. Merci parce que tu es tout puissant. Et ta force et ta puissance commencent là où notre force et notre puissance s'arrêtent. Merci Jésus de nous accorder une année favorable. Ce n'est pas le 1er janvier ou le 31 décembre qui sont des jours qui annoncent l'année. Tout le mois de janvier annonce que nous sommes dans une nouvelle année. Et cette année, Seigneur, encore, nous t'appelons comme le Dieu de protection sur nous et nos familles. Nos portes sont fermées à l'œuvre de sorcellerie, l'œuvre mystique, aux incantations, aux alliances. Nous recevons, Seigneur, ta protection. Nous sommes couverts par ton sang. Nous sommes gardés pour des jours heureux. Nous sommes mis à part pour des témoignages à la gloire de Dieu.
sois exalté. Dieu de puissance, règne en ce lieu. Que la chair se taise. Que toute forme de manifestation spirituelle se taise. Seigneur, parce que tu prends la gloire, tu prends la place. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Que personne dans ce lieu ne retourne comme il est venu. J'établis une base de foi sur ce culte. Que tu béniras ton peuple en parole et en puissance prophétique. Revêt-moi triplement de ton esprit. Utilise-moi pour faire du bien. Utilise-moi pour bénir. Utilise-moi pour guérir. Utilise-moi pour délivrer. Utilise-moi pour prophétiser. Utilise-moi pour déclarer. Utilise-moi pour décréter. Saint-Esprit, viens. Tu es le bienvenu. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué. Je prie que quelqu'un t'accueille, non pas pour un jour, mais pour toujours. Jésus, tu es Alpha et tu es Oméga. Le Dieu qui commence et qui achève. Tu es le Dieu qui guérit, Jésus. Pendant que je suis sur cet autel, qu'il y ait des manifestations de guérison miraculeuses en ce lieu. Je relâche une disposition à la foi et je chasse toute forme d'incrédulité de ce lieu. Est-ce qu'il y a des gens pour dire amen de foi ici? Je maudis la racine de l'incrédulité. Merci Seigneur. Tu résous des problèmes pendant que nous sommes en ce lieu. Des personnes sortiront de ce culte, aller à la maison, trouver de meilleures nouvelles, de bonnes nouvelles qui les attendent. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ta puissance. Je compte sur ton autorité pour chasser des démons. Délivrer des captifs. Et renvoyer libre ton peuple. Qu'il y ait une grâce d'affranchissement extraordinaire en ce lieu. Qu'il y ait une grâce d'affranchissement extraordinaire en ce lieu. Qu'il y ait des délivrances en ce lieu. Qu'il y ait des guérisons en ce lieu. Que des paroles de connaissance soient précises et authentiques en ce lieu. Au Père, pour la seule gloire de ton nom. Sois le témoin, le garant et l'inspirateur de toute parole qui sortira de ma bouche ici. Et qu'il en soit ainsi. Que l'onction de l'accomplissement commence de manière instantanée. À toute personne qui reçoit une parole, je déclare que cela s'accomplira inévitablement. Je libère l'atmosphère de toute espèce de lourdeur. Jésus est dans la place. Jésus est au contrôle. Il déroule des destinées ce matin. Il détache des destinées. Pour que l'année soit défrichée. Je dis amen à la puissance de Dieu dans ce culte. Je dis amen à une dimension prophétique authentique dans ce culte. Je dis amen à des délivrances systématiques dans ce culte. Je dis amen à la désignation de l'Esprit. Le Saint-Esprit va désigner des personnes ce matin
avec lesquels il va partir cette année et atteindre des niveaux, atteindre des hauteurs, atteindre des sommets. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Il n'y a pas de moment spécifique pour toi. C'est ton moment. Sois à l'œuvre. Je veux m'effacer. Effacer ma chair. Et devenir un esprit vivant au milieu de ce peuple. Que l'onction soit dégagée à tous égards. La puissance de Dieu soit manifestée. Je t'offre mes yeux pour voir, mes oreilles pour entendre, ma bouche pour parler avec autorité, mes mains pour toucher et libérer l'onction. Là où je me tiens, Seigneur, je ne suis plus moi. Je suis toi, sous une forme humaine. Libère l'esprit! Qu'il y ait un déclenchement spirituel en ce lieu. Fais descendre ton esprit. Fais du bien. Laisse-moi bénir ce matin. Laisse-moi déclarer, laisse-moi libérer ta puissance. Et qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Merci de prendre toute la gloire. Honore ton esprit. Honore ta parole et bénis ce peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Let us sit in the presence of the Lord. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Bonne année. Let God bless us one more time. Happy New Year. Que Dieu prenne toute la gloire ce matin. Let God take all the glory this morning. Il va nous faire du bien. And he's going to do Il nous a offert l'année. He has offered the year to us. Comme l'année des nouvelles choses. As the year of new things. Et nouvelles choses. And new things. Signifie des choses inhabituelles. Signifies things that are unusual. Il nous a offert l'année. He has offered us the year. Comme l'année au cours de laquelle. As the year during which. Des choses pas encore expérimentées. Things that have not yet been experienced. Sont susceptibles de se produire. Are susceptible to happen. Pas encore expérimentées. Not yet experienced. Donc, en d'autres termes. So in other terms. Cette année 2016. This year 2016. Que ton ennemi veuille. Whether your enemy wants ou que ton ennemi ne veuille. Or your pas. Enemy does not want que it. Que ton ennemi accepte. Whether your enemy accepts. Ou que ton ennemi n'accepte or your pas. Enemy does not accept. Il se produira dans ta vie. Things will happen in your life. Des choses qui vont l'étonner. That is going to astonish et des choses you. Qui vont t'étonner toi-même. And things that are going to astonish yourself. Dieu nous offre 2016. God is offering to us 2016. Comme l'année de l'avancement. As the year of advancement. En d'autres termes, que ton ennemi veuille. In other terms, whether your enemy wants it. Ou qu'il ne veuille pas. Or he does not want it. Au cours de cette année. During this year. Tu vas le laisser là où il est. You will leave him where he is. Et tu vas le devancer de très loin. And you will go ahead of him. En d'autres termes, il va te chercher où vous étiez. In other terms, he will look for you where you were. Et il ne te trouvera pas. And he will not find you. Tout simplement à cause de l'avancement. Simply because of advancement. Je prophétise l'avancement. I prophesy advancement. L'avancement. Advancement. Je viens. I am coming. Dieu nous offre 2016. God is offering to us 2016. Aussi comme une année de sa manifestation. Also as a year of his manifestation. Quelqu'un va sentir que Dieu est dans ta vie. Somebody will feel that God is in your life. Dieu va se manifester God autour de ta vie. Manifest himself around your life. De sorte qu'il n'y ait plus de doutes. In such a way that there should be no doubts anymore. Ça se discute encore quand il n'y a pas eu de manifestation. It's been disputed when there is not manifestation yet. Mais il y a yet. Des choses qui arrivent dans la vie d'une personne pour lequel on ne peut pas discuter. Ça, c'est une manifestation de Dieu. Si ce n'est pas Dieu, ça ne peut pas se faire. But there are things that happen in people's lives that people know it is God. If it's not God, that thing cannot happen. Dieu nous a offert 2016. God has offered to us 2016. Comme une année de créativité. As a year of creativity. Une année pour ne pas faire les mêmes choses. A year not to do the same things. Mais pour que une seule de tes idées te rende millionnaire. But let just one of your ideas make you a millionaire. Millionnaire. A millionaire. Une idée.
Just an idea. Un projet. Just a project. Mais qui vient pour changer ta vie. But that comes to change your life. Une créativité extraordinaire. An extraordinary creativity. Une idée ingénieuse. An ingenious divine idea, divine idea. Quel que soit ce que tu fais, whatsoever you do, mais tu reçois une idée de Dieu, that you receive an idea from qui God, qui t'amène à faire quelque chose qui fait venir tout le monde pour regarder, that makes you to do something that brings everyone to look at it, que tout le monde dise, and they are flabbergasted. Ça peut être dans la couture, it can be in your as a seamstress. Ça peut être dans la coiffure, it can be in hair styling. Dans n'importe quel domaine. It can be in any kind of domain. Quelque chose qui porte ton nom et ta mention. Something that carries your name and your mention. Dieu aussi nous a offert 2016. God has also offered to us 2016. Pour vivre l'inhabituel. To live, experience the unusual. L'inhabituel sous-entend quelque chose à quoi on n'est pas habitué, à quoi toi-même tu n'es pas aussi habitué. The unusual means something you're not used to. Il t'arrivera des choses inhabituelles. Unusual things shall happen to you this year. Amen. Dieu nous offre 2016. God offers to us 2016. Pour des choses de distinction. For things of distinction. Que tu sois pas amen. Comme tout le monde. Don't be like anybody else. Nouvelles choses. New things. Tu sois distingué dans ton domaine. Let you be distingué dans ton domain. Milieu. Distingué dans ta génération. Distingué dans ton travail. Distingué dans ta famille. Distinguished in your family. Que tu sortes de l'ordinarité. Come out from the ordinary. Et que tu rentres dans une dimension où amen, l'inhabituel marche avec toi. And you enter into a dimension where the unusual walks with you. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est assis à sa place et qui se demande mais comment ça peut arriver dans ma vie. I am sure somebody is asking himself, but how can it happen in my life? Parce que cette personne est habituée à l'habituel. Because that person is used to the usual. Cette personne est devenue amen. Amen. Habitué aux choses usuelles. That person is used to the usual things. Son 2010 a ressemblé à son 2014. His 2010 looked like 2014. Et cette personne a fini par s'habituer à sa manière de vivre. And that person has finished by being used to his way of living. Mais lorsque notre Dieu parle. But when our God speaks, sa parole est accompagnée de puissance. His word is accompanied by power. De sorte que si tu fais attention, in such a way that if you watch out, lorsque la parole de Dieu vient, when the word of God comes, elle ne vient jamais seule. It never comes alone. Quand il dit dans sa parole, j'écraserai tes ennemis. When he says in his word, I will crush your enemies. La parole sort sous une forme de parole. The word comes out as a form of a word. Elle sort de manière verbale. It comes out in a verbal way. Mais elle est accompagnée d'une puissance. But it is accompanied by your power. Et cette puissance est destiné à tes ennemis. And that power is destined to your et ils enemies. Peuvent être couchés dans leurs cases. And they can be sleeping in their cases. Ils peuvent être retranchés dans leurs arbres où ils se cachent. They can be hiding under the trees where they are hiding. C'est une puissance qui est localisatrice. It is a power that is locating people. La parole sort, je me charge de tes ennemis. The word of God says, I crush your enemies. Tu n'as pas besoin d'indiquer à cette parole où sont tes ennemis. You don't need to indicate to that word where your enemies are. Cette puissance localise tes ennemis. That power locates your enemies. Elle les identifie. It identifies elle them. Les retrouve. It finds them. En Psaume 18, qu'est-ce qu'il dit? In Psalms 18, what does it say? Il dit, je poursuis mes ennemis. Say, I chase my enemies. Je les atteins. And I catch et je them. Ne reviens pas sans les avoir exterminés. And I do not come back without exterminating them. Il y a them. Une puissance qui accompagne so la parole. There is a power that accompanies the word. Ce sont les chrétiens, amen, basiques. There are basic Christians qui croient qu'au-delà de la parole de Dieu, il faut autre chose. That believe that beyond the word of God, you need something else. Et qui cherchent autre chose. And they are looking for something else. Quelqu'un qui a une expérience avec Dieu. Someone that has an experience with God. Il sait qu'aussitôt la parole est libérée, la puissance qui l'accompagne est libérée. He knows that as long as the word is released, that power is released. Et lorsque la parole est libérée, and when the word is released, tu n'as pas besoin de te déplacer aller menacer quelqu'un. You don't need to go and displace yourself and tu restes à ton endroit où on t'a humilié. Stay in your place where they tu restes à l'endroit où on t'a persécuté. Et la puissance de Dieu elle-même s'en va. And the power of God goes. Elle fracasse les portes. And it breaks the elle déchire les toits. Elle pénètre dans les maisons. And it penetrates in houses. Peu importe les gardiens qui sont and no matter the guards that are there. Elle identifie ceux qui t'ont combattu. It identifies those that fought et leur problème commence. And their problem begins. J'ai de la compassion pour certaines I personnes. Have compassion for some parce que people. Dieu a annoncé des nouvelles because choses. God has announced ça sous-entend que it means that si les années précédentes if the past years, tes ennemis ont eu l'habitude de te persécuter sans réponse your enemies persecuted you without answer, la nouvelle chose c'est qu'ils auront une réponse the new thing is that there will be a
Si les années précédentes, if the past year, les gens ont eu l'habitude de tripoter ta vie comme ils veulent, people played with your life as they wanted, cette année est venue. This year has come. Pour que sans effort, without effort, Dieu commence à traiter tes, amen, tes sujets. To treat your topics. Je suis en train de dire. I am saying. Qu'il y a quelqu'un qui est assis et qui se demande comment est-ce que ça peut se passer pour moi. There is somebody seated and asking how can it happen. Je dis pas ça peut se passer. I'm not saying that it will can happen. Je dis ça va se passer. I am saying it will happen. Je suis en train de te dire ce qui va se passer. And I am telling you what is going to happen. Je parle d'un Dieu qui peut changer. I speak about a God that can change. Un Dieu qui peut tout changer. A God that can change everything. Un Dieu qui peut tout changer. A God that can change everything. Quand on dit tout changer, when they say everything, il y a quelqu'un qui est assis et qui se pose la question de savoir mais tout quoi. Somebody is sitting there and asking, but what is everything? Dieu ne regarde pas la taille ou la forme d'un homme. God does not look at the shape or the height of a man. Ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur d'un homme. What interests God is the heart of a man. Et le cœur parle de trois dimensions. And the heart speaks about three dimensions. Le cœur parle de la dimension affective. The heart speaks about the affectionate dimension. Et lorsque Dieu dit il peut tout changer, and when God says he can change all things. Ça sous-entend qu'il peut changer l'atmosphère affective autour de toi. It means he can change the affectionate atmosphere. Et que les gens qui ont eu l'habitude de te haïr et de te persécuter commencent sans faire exprès à t'aimer. And people that hated you and persecuted you without their own force, they begin to love you. Le cœur parle de la dimension volontaire d'un homme. The heart speaks about the real dimension of a man. Comment est-ce que vous pensez que subitement Jacob a aimé travailler? How can you think that suddenly Jacob loved to work? Jacob était paresseux. Jacob was a lazy man. Profiteur. He was the one that profited. Il aimait for vivre people. Sur le dos des autres. And he was always putting his belt on people's back. Il s'asseyait à la maison. And he sat in the house. Il attendait son frère. And he was waiting for et his lorsque brother. Son frère revenait, and when his brother was coming, il trouvait toujours une ruse pour échanger quelque chose. He always found a sly to exchange something with him. Pas habitué à travailler. He was not used to working. Mais le même Jacob. But the same Jacob. Quand l'heure de changer son cœur est arrivée, when the hour of changing his heart, la volonté de travailler est entrée en lui. The will of working entered into him. Je suis là pour prophétiser à la vie de quelqu'un. I am here to prophesy in somebody's life. Il y aura des changements dans ta vie. There will be change in your life. Tu reçois de Dieu une volonté pour faire de nouvelles choses. Receive from God a will to do new things. Tu sais quand on annonce ces choses prophétiquement. You know when we announce these things prophetically. Il y a quelqu'un qui est là et qui n'est pas conscient de ce dont il s'agit. There is someone that is here and is not conscious of what we are talking about. Tu peux être marié à un homme qui n'a envie de rien faire. You can be a man that does not wish to do anything. Son seul plaisir c'est de dépenser pendant des funérailles. His only pleasure is to spend. Pas de maison, pas de bien, il n'assure aucun héritage aux enfants. No house, no inheritance for et the donc children. Quand je suis en train de parler de la volonté. La volonté que quelqu'un amène, la volonté que Dieu est capable de faire changer en quelqu'un. Je suis en train de dire que Dieu est capable de rentrer dans le cœur d'un homme et changer ses orientations. Tu peux être avec quelqu'un qui n'a pas envie de t'aider. Quand Dieu parle de nouvelles choses, il parle d'une puissance qui est capable de rentrer dans le cœur de quelqu'un avec qui. Oh, Saint-Esprit, aide-moi. Et le cœur parle encore de la raison. Speaks about the reason. Donc la dimension rationnelle. And the rational dimension. Voyez-vous, quand Dieu s'intéresse à quelqu'un, you know, when God is interested in somebody, c'est pas son corps qui l'intéresse. It is not his body that interests him. C'est son cœur. It is his heart. Et dans le cœur, Dieu travaille sur ces trois choses. And in the heart, God works on those three things. Dimension affective. Affectionate dimension. Ta manière d'aimer change. Your way of loving changes. Dimension volontaire. Your will dimension. Tes désirs et tes orientations changent. Your desires and orientations change. C'est pour ça que vous voyez que lorsque quelqu'un est touché par Dieu, il n'a plus les mêmes désirs. Le monde, l'alcool et toutes ces choses ne lui disent plus rien, mais il a la tranquillité, il a un besoin de vivre une vie tranquille. Does not mean anything but it's in tranquility. Parce que Dieu a le pouvoir de laisser les muscles, quelle que soit la forme que tu as, le nombre de kilos que tu transportes, il a le pouvoir de laisser ces choses et de pénétrer de manière surnaturelle en toi, de toucher ton corps, de souffler sur ton cœur et de faire de toi une nouvelle personne. And breathe into your heart and make of you a new person. Jésus peut tout changer. Jesus can change everything.
En un jour, il déclenche le changement. In one day, he triggers change. Et pour le reste de ta vie, il poursuit le changement. And for the rest of your life, he continues with that change. Je veux annoncer à quelqu'un ici quelque chose. I want to announce to someone here something. Tu as vécu un passé lourd et difficile. You have gone through a heavy and difficult past. Au point que quand on parle de changement, tu te poses la question de savoir si c'est possible. At the point where when they speak about change, you ask yourself whether it is possible. Un passé difficile. A difficult past. Vivre chez les gens. You are living in people's houses. Dormir chez les gens. And you are in people's houses. Par terre. And you sleep tu on the ground. Tu as allé jusqu'à être une jeune fille. You went to, you are a young girl. Qui n'a fait qu'avoir des rêves dans sa vie. That you have just had only dreams in your life. Rêver de porter une robe. You are dreaming of rêver wearing de a porter gown. Certaines chaussures. Dreaming of wearing some rêver shoes. D'avoir un seul bijou dans dreaming ta vie. Of just having one jewelry in your rêver life. Rêver d'avoir un type de mari. Dreaming of having a kind of husband. Et ces choses ne se sont jamais réalisées. And those things have never come to pass. Je suis là pour te dire. And I'm here to tell you. Le Jésus que je sers. The Jesus I serve. Il est capable de déplacer dans ta vie. He's able to displace in your life. Les choses qui pendant des années ont été des rêves. The things which for years have only been dreams. Il est capable de changer les vies. He is able to change lives. Changer les histoires. Change history. Changer les destinées. Change destinies. Changer même l'identité. Change even your identity. J'ai vu que dans la Bible il y a des gens dont on ne parle pas. I saw that in the Bible there are people we don't talk about. Mieux, on parle mais on parle sans nommer. Better rather speak but they don't name them. On dit un jeune homme. They say a young man. Une jeune fille. A young woman. Alors que chacun est né, son père au moins la moindre des choses ou son oncle lui a donné un nom. But each man that has been given birth, at least his father gave him a name. Mais quand ton nom n'a pas parcouru et atteint le niveau, amen, où ton nom, amen, devient un nom. But when your name has not journeyed and attained a level where your name can be a name. Tu deviens quelqu'un que les gens prennent plaisir à appeler, hey, monsieur, jeune homme, jeune fille. You become somebody that people take pleasure of saying, hey, Mr. Mrs. Young girl. Laisse-moi te parler de l'histoire de nom. Let me speak about the story of a name. Le nom que ton père te donne n'est rien. The name that your father gives you is nothing. C'est le nom que Dieu te donne dans la vie qui devient un nom. It is the name that God gives you in life that becomes a name. Tant que tu t'appelles Kwaku Justin. As long as you call yourself Kwaku Justin. Tu n'es encore personne. You are still nobody. À peine connu dans la famille. You're just known in your family. Même à certains cousins, on doit décrire c'est qui. Even to your cousins, they need to describe you. Et ton parcours dans la vie. And your journey in life. Prends ton nom de l'ordinarité familiale. Takes your name from the family ordinary sheep. Et emmène ton nom dans un niveau. And takes your name to a certain level. Tu vois, il y a des gens qui arrivent à un certain niveau de la vie, ce n'est plus par leur titre. You see that some people that attain a stage in life, it's not more about their titles. C'est pour ça que les gens aiment les titres, ça fait rire. Achetant, 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 non. La valeur d'un homme ne s'évalue pas au titre qu'il porte. The mais au parcours qu'il a eu et à ce qu'il a pu donner comme the essence au nom qu'il porte. The journey he has had is what gives the essence of the name he carries. Ton nom. Your name. Jésus est capable même de changer ton nom. Jesus is able of changing your name. De donner du poids à ton nom. And give you weight in your name. Vous savez qu'il y a des personnes dont le nom est une carte de visite. Le you nom know, est un passeport. You know, le nom signifie porte ouvrez-vous ou porte fermez-vous. And your, their name signifies open doors or closed doors. Tu prends du retard dans ta génération. You're getting late in your generation. Dieu dit à Abraham en Genèse chapitre 12, je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas un problème que quelqu'un ait une renommée, surtout qu'il ait une bonne renommée. God tells Abraham, I'll make your name great. It's not because somebody has to have a name, but you need to have a good name. Je brise ce matin. I break this morning. La sphère d'anonymat qui te retient. The sphere of the anonymous stage that is holding you captivity. Je déclare ici, il y a au moins 12 personnes dont le nom va dépasser les frontières de ce pays. Je dis, il y a au moins 12 personnes. Je parle sur les 3, 4, 5 années qui viennent. Ton nom ira au moins au niveau du gouvernement. Je parle sur 12 personnes ici. Je parle sur 12 personnes ici. Je parle sur 12 personnes ici. Je déclare cette déclaration dans le nom de Jésus. I declare this declaration in the name of Jesus. Alléluia. Amen. 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 Dieu rendra ton nom grand. God will make your name great. Je suis en train de parler de nouvelles choses. I am talking about new things. Une année où Dieu promet de faire de nouvelles choses. A year which God promises to do new things. Ça veut dire que même si tu continues dans ce que tu faisais, it means even if you continue what you were doing, il y aura, amen, du nouveau. There will be a new thing. Il y aura du nouveau. There will be a new thing.
Je parle par exemple à un planteur. For example, I talk about a planter. Nouvelle chose ne signifie pas forcément que tu dois quitter la plantation et devenir un bureaucrate. New things does not mean you have to forcibly leave your plantation and become someone. Mais dans ta dimension de planteur. But in your dimension of a planter. Dieu est sur le point de mettre des opportunités, des avantages. Amen sous ta main. God is at the point of putting advantages and opportunities in your hands. Qui vont faire sentir que tu es dans du nouveau. That will make you to feel that you are in new things. Tu es dans du nouveau. You are in new things. Je refuse que tu ailles rester le même. I refuse that you go and remain the same. Et pendant que je continue, il y a des personnes qui sont peinées, qui se disent, maman même ne connaît pas ma vie. Ma vie depuis des années. Il y a des gens qui me trouvent au bureau qui me disent, maman, je souffre depuis, ma vie ne change pas, ma vie n'avance pas. Ma vie ne... Il y a trois raisons qui peuvent faire que la vie de quelqu'un n'avance pas. There are three reasons why somebody's life may not move ahead. La première raison, lorsque le train d'avancement passe, tu ne montes pas dedans. The first reason is when the train of advancement passes by, you don't ascend. Les gens qui sont restés esclaves des anciennes habitudes. People that have remained slaves to old attitudes. Sont devenus chrétiens mais ils prient pas. They have become Christians but they don't pray. Sont devenus chrétiens mais ils s'aiment pas. They have become Christians but they don't sow. Ils font pas de semences. And they do not sow seeds. Sont devenus chrétiens. They have become Christians. Aucun combat spirituel. But no spiritual warfare. Donc le train d'avancement passe et tu montes pas dedans. And so the train of advancement passes and you don't board in it. Deuxième raison. Second reason. C'est des gens qui veulent pas changer leur paradigme. People that do not want to change. Ils ont une manière de penser. Nous on est à Caen. They have a way of thinking we are at Caen. Nous on est des chefs. We are chiefs. Chez mon papa, quand un garçon parle, une femme parle pas. In my father's house, when a man speaks, a woman does not speak. C'est moi le grand frère. I am the elder brother. Ils ont été configurés de penser comme ça et ils peuvent pas changer leur manière de penser. They have been set to think so and they don't want to change their way of thinking. C'est dans le manioc ma famille réussit. It is in cassava that my family succeeds in. Ils poussent manioc. Il donne manioc. Alors tout est manioc dans sa tête. He thinks cassava and everything is cassava in his head. Le fait de ne pas vouloir changer de manière de penser. The fact of not changing his mindset. Tu vois, il y a même aussi des ministères comme ça qui amen. Le train de l'avancement passe. Il n'y a pas de changement. C'est toujours les mêmes chants. Oh, la go, la go, c'est du folklore. There are ministries like that. They don't want to enter into the train of advancement. And they are only there, la go, and in folklore. Et la troisième raison. And the third reason. Aveugle et sourd. They are blind and they are deaf. Ils n'entendent pas. They don't hear. Et ils voient pas. And they don't see. Ce sera pas ton cas. It shall not be your case. Tu sais, je suis en train de poser les bases pour te dire que Jésus peut tout changer. Ils s'en foutent des conditions dans lesquelles tu es né. Ils s'en foutent de ce que les gens t'aiment. Ils s'en foutent de ce qu'ils ont prévu contre toi. Ils s'en foutent de ce qu'ils ont décidé que tu ne réussiras pas. Quand c'est ton œuvre pour changer, il vient te chercher derrière où les gens t'ont laissé. Et il te ramène devant où les gens ne peuvent pas s'imaginer que tu peux arriver. Je te vois en train de surprendre tes collègues. I see you surprising. Je te vois en train de surprendre tes collègues. I see you surprising. Je te vois your en train de surprendre ton patron. I see you surprising your boss. Quelqu'un dit non, je suis dans une famille où on se marie pas, mais ça c'est la famille. Somebody say no, I'm in a family where we don't get married, but that is the family. Je n'ai pas une destinée attachée à la famille. I don't have a destiny attached to my family. J'adore un Dieu qui est puissant. I worship a powerful God. Et prêt à faire les choses qui n'arrivent pas aux autres dans ma vie. And ready to do things to me that does not happen to others. Est-ce que in tu my me family? Comprends? Are you understanding je prophétise me? Que tu vas vivre sept fois ce que ton père a vécu. Des expériences plus grandes. Des expériences plus grandes. Greater experience. Tu seras sept fois ce que ta mère you a shall été. Be seven times what your mother was. Je te vois comme le Amen. Joker de ta famille. I see you as the joker of your family. Aucune décision ne se prend sans toi. No decision will be taken peu importe without que tu you. Sois l'aîné ou le Benjamin. Whether you're the last or the first. Nous adorons un Dieu capable. We worship an able God. J'ai envie de prophétiser quelque chose sur quelqu'un. I wish to prophesy something on tu parviens à un stade où ton patron ne peut pas prendre de décision sans toi. You arrive a stage where your boss cannot take a decision without you. Tes décisions sont nouvelles. Your decisions are new. Tes directions sont nouvelles. Your directions are new. Si tu avais l'habitude de marcher pour aller vers le carrefour de la pauvreté. If you were used to walking to the roundabout of poverty. Je déclare que par le Saint-Esprit tu changes de direction. I declare by the Holy et tu marches pour aller vers le carrefour de la richesse. And you walk towards si tu avais l'habitude de marcher pour aller dans la médiocrité. If you have, you are used je déclare to que maintenant tu marches pour aller dans l'excellence. I say now you walk towards excellence. Écoute-moi très bien, je crois au potentiel qui est en toi. Listen, I believe in the potentials in you.
Sans Jésus, regarde ta vie. Without Jesus, look at your life. Tu peines beaucoup. You hurt a lot. Sans Jésus. Without Jesus. Tu peines beaucoup. You hurt a lot. Tu souffres beaucoup. You suffer a lot. Tu as beaucoup trahi. You are betrayed tu a lot. Tu pleures beaucoup. You cry a lot. Tu échoues beaucoup. You fail a tu lot. Te fatigues beaucoup. You get tired tu recommences beaucoup. You re-begin mais lorsque a lot. Jésus rentre dans ta but vie, when Jesus enters into your non. Life, no. Non. No. Il y a un changement systématique qui se produit. Systematic change that happens. Tout ce qui parle d'échec sort de ta vie. Everything that speaks about failure comes out of your life. Quand Jésus n'est pas dans ta vie, when Jesus is not in your life, tu perds les choses physiquement, même en esprit, tu perds les choses. You lose things physically and even in the spirit, you lose things. Il y a des gens qui dorment et qui rêvent et qui amènent. On vole ton pagne. Des fois même ils sont en train d'aller au mariage et on vole, amen, quelque chose du mariage dans ton rêve. There are people that in your dreams they steal your loincloth. Even in your marriage, they steal something from your marriage. C'est-à-dire qu'on te vole quoi. It means they steal from you. Tellement il y a pas de sécurité autour de toi, mais on te vole quoi. There is no security around you that steal nearly everything from you. La Bible dit que deux femmes ont marché ensemble. The Bible says two women walked together. La grande amitié. And great friendship. Elles ont contracté des grossesses ensemble. And they took pregnancy together. Elles ont accouché le même jour. And they gave birth the same day. Et elles ont posé leurs enfants côte à côte. And they placed their children side by side. Lorsqu'elles sont allées dormir. And when they went to sleep. Une a, amen, s'est couchée sur son enfant, l'enfant est mort. One slept on her child and the child died. Et lorsque l'enfant est mort, and when the child died, elle a regardé son enfant. She looked at her child. Elle a mis de l'autre côté chez la femme dont l'enfant était vivant. And she exchanged it with the living child. Et elle a pris l'enfant vivant. And she took the child that was alive. Elle a mis à côté d'elle. And she placed it by her side. Et lorsque le matin est arrivé, and when the morning came, les deux femmes se sont réveillées. The two women awoke. L'autre regarde son enfant. The other one awakens her child. Il dort. And he is sleeping. On le remue. And they shake him. Il dort. He is sleeping. On essaie de lui donner à téter. And they try to breastfeed il him. Il dort. He is sleeping. L'enfant est mort. And the child is dead. Elle regarde l'enfant qui est dans la main de l'autre. And she looks at the child in the hand of the other woman. Ma soeur, excuse-moi. I said, my sister, excuse me. Hein? L'enfant la ressemble à mon enfant. That child looks like my baby. Ça. C'est pas pour toi, hein? It's not your child, hein? Il y a un nuque qu'on a accouché là, c'est mon enfant que j'ai accouché. This one that we just gave birth, this is my child that I gave birth to. Envoie l'enfant ici. Send that child back here. Il faut parfois un peu d'autorité pour que tu reprennes ce que quelqu'un t'a volé. Sometimes you need a little bit of authority to take back what somebody has stolen from you. Et chacune tire l'enfant de son côté. And each one drags the child at his side. Finalement, elles prennent l'enfant et se retrouvent devant Salomon le roi. And finally, they take the child and find themselves before Solomon the king. Salomon dit, coupons sa cou. Le bébé est pour qui? Solomon says, but in reality, whose baby is this? Le roi, c'est pour moi. King, c'est pour moi. Master, c'est pour moi. Le king is mine. Master, it's my baby. Ok. Amenez mon épée. Ok, bring the sword. Lorsque Salomon soulève l'épée, and when Solomon raises the sword, et qu'il amène l'épée, and he wants to break the sword, il y a une des deux qui dit faut pas le tuer, la capra. There's one that says please do not kill him, take the baby dans away. Dans cette saison de nouvelles choses, in this season of new things, toute personne qui discute indue avec toi, il y a un tribunal. Je parle pas du tribunal des hommes corrompus. Le tribunal de Dieu va séparer, arracher ce qui te revient de droit. Et mettre ça en tes mains. Je dis mettre ça en tes mains. Je ne sais pas à qui on a pris quelque chose. Je ne sais pas qui discute un bien avec toi. Mais pour toi, je déclare. Ça va tomber dans ta main. Je dis ça va tomber dans ta main. Je dis ça va tomber dans ta main. Je dis ça va tomber dans ta main. I say it will fall in your hands. Ça va tomber dans ta main. It will fall in your hands. Ah, cette nuit, j'ai fait un songe extraordinaire. Last night I did an extraordinary dream. Mon esprit a voyagé pour quelqu'un. My spirit traveled for somebody. On discute un bien immobilier avec cette personne. And they're disputing a good, a house with that person. Et cette nuit, and that night, le Seigneur m'a amené sur le chantier. The Lord took me to the building ground. Et la construction avait commencé, c'était un immeuble. And the construction had begun, it was a skyscraper. Je sème pour cette personne et je sème pour quiconque n'est pas là mais qui est concerné par cette parole. I saw for this person and I et je déclare que dans le nom de Jésus, toute personne qui est en train de discuter un bien avec toi, every person that is disputing a good Dieu with tranchera. You, God will take the je sens qu'il n'y a pas de propriétaire ici. There is nobody here. Je dis Dieu tranchera.
God will take the final decision. Je dis Dieu tranchera. God will take the final Dieu decision. Tranchera en ta faveur. God will take the final je te vois en train de bâtir. I see you 2016, ce sera pour toi une année de construction. Ce sera pour toi une année pour commencer quelque chose. S'il te plaît, donne-moi un amen de foi. Please give me an amen of faith. Lorsque Jésus rentre dans ta vie, il y a de nouvelles choses qui se passent. When Jesus enters into your life, there are new things that happen. Marc chapitre 11, verset 1 à 8. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagé et de Béthanie, à ce point-là, avant d'avancer, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas un endroit où Dieu ne peut pas agir pour toi. At this point, before advancing, there is no place God cannot act for you. Quel que soit ce qui a été fait dans ton village, l'Esprit de Dieu trouve cette chose dans le village, il libère. Quel que soit ce qui est en train de se négocier pour toi en Europe, l'Esprit de Dieu rejoint ceux qui négocient en Europe et tourne en ta faveur. Quel que soit ce qui se passe dans ton lieu de travail, le même Esprit de Dieu va dans ton lieu de travail, il tourne en ta faveur. Ah, nous avons un Dieu qui est puissant. Vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples. Rentrez dans le village. Il dit, quand vous entrerez, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Amen. Vous trouverez un ânon attaché. You will find a tight cord. Donc, toute la vie de cet ânon. So the whole life of this cord. Il était en train de desservir. It was not serving. Sa cause. Its cause. L'ânon dans ces populations là servait à transporter les hommes et les charges. The cord at that population served to transport charges and men. Et quelqu'un a décidé que, oh, ânon, toi, tu vas pas faire aussi. And someone decided, oh, cord, you will not serve. Et on l'a pris aller l'attacher là-bas. And they took it and tied it somewhere. Et le pauvre ânon. And the poor cord. Dans ses gènes. In its worry, il y a un battement pour servir. In its genes, there's a heartbeat to serve. Il y a un battement pour se déplacer. There's a heartbeat to displace itself. Pour ne pas rester au même endroit. Not to stay at the same level. Il y a un battement pour transporter. There's a heartbeat to transport. Le pauvre ânon reste là. The poor cord stays quand there. Quand tous les ânons du village passent pour aller servir. When all the cords of the village passes by to go and serve. Il y en a qui reviennent et disent, tu es au même endroit. There are some that come back, you are the same space. Nous, on a voyagé. We have traveled. On était à Samarie. We were in Samaria. On était à tel endroit. We were in this place. On était à Galilée. We were in Galilee. Depuis là, tu es au même endroit. But since then, you are at the same place. Combien de personnes ne sont pas ici? How many people are not here? Sur ton existence. In your existence. Il y a plus de progrès. There is no more progress. Tu es resté au même endroit pendant longtemps. You stayed at the same place for long. Parce que quelqu'un a trouvé le malin plaisir d'attacher ta vie. Because somebody found a wicked pleasure to tie your. Que ce soit un oncle, que ce soit une tante. Whether it be a man or an auntie. Je suis sur le point de m'attaquer à cette personne avec la puissance de Dieu. Right now, in Jesus name. Qui que ce soit. Whosoever it is. Il dit détachez-le, amenez-le-moi. He says untie it and bring it to me. Détachez-le. Untie it. Tu as peut-être passé de longues années attaché. Maybe you have spent long years tied up. L'année de ton détachement est arrivée. The year of they have to untie you this je dis year. L'année de ton détachement est arrivée. I said the year where you will be untied is this. Il dit l'ânon est attaché. It says the cord is tied. Et l'ânon qui devait servir. And the cord that had to serve. N'est pas en train de servir. It's not serving. Donc l'ânon n'accomplit pas sa destinée. And so the cord is not accomplishing its destiny. J'entends dans l'esprit. I hear in my spirit. Il y a 14 personnes. There are 14 people. En ce lieu. In this place. Qui sont attachés de la sorte. That are tied up. Et pas en train d'accomplir leur destinée. And they are not accomplishing their destiny. Ce matin. This morning, au son de ma voix. At the sound of l'esprit my voice, de Dieu va te localiser. The spirit of God will locate you. Est-ce que tu me reçois? Are you receiving je dis l'Esprit de Dieu va te localiser the spirit of God will et tu recevras une délivrance. And you will je ne te parle pas d'une délivrance émotionnelle I'm not talking about pour quelques deux jours. For 2 days. Je te parle d'une délivrance totale. I speak about a total deliverance. Je te parle d'une délivrance définitive. I speak about a definite deliverance. Il dit amenez-moi là, non? It says bring the cord. Détachez-moi là, non? Untie the cord. Ramenez-moi là, non? Bring the cord to me. Les gens ont dit, mais ça appartient à quelqu'un. And people said it belongs to somebody. Il dit détachez l'ânon, amenez-le-moi. Say untie the cord and bring it là to me. Là où Jésus passe, les destinées sont libérées. Where Jesus passes, my destinies are loosed.
Là où Jésus passe. Where Jesus passes. Quel que soit le nombre d'années depuis lequel tu souffres. Whatsoever the number of years you have been suffering. Il y a une délivrance. There is a deliverance. Détachez-moi l'anneau et amenez-le-moi. Untie the sheep and bring back to me. Est-ce que les gens vont accepter? Will people accept? Le Seigneur dit détacher et amener. The Lord said untie and bring. Quand Dieu décide. When God decides. Que ton temps d'être libéré est arrivé. That your time to be released has come. Veut. They want. Veut pas. They don't want. Voulait. They wanted. Voulait pas. They did not want. Souhaite. They wish. Souhaite pas. They did not wish. Dans le nom de Jésus. Et par la puissance de Dieu. Tu reçois une délivrance. You receive a deliverance. Tu reçois une délivrance. You receive a deliverance. Tu es libéré. Et rien ni personne ne peut arrêter ça. And nothing or anybody can stop it. Personne ne peut arrêter. Nothing, nobody can personne. Stop it. Nobody can personne stop ne it. Peut arrêter. Nobody can stop quand it. C'est ton temps d'être délivré. When it's your time to be delivered. Détachez-moi l'anneau. Untie the cord. Donc il y a des personnes ici dont Dieu a besoin. And so the people that God needs Jésus here. Veut prendre ta vie. Jesus wants to take your life. Il veut travailler avec ta He vie. He wants to work with your life. Et il y a des oppositions. And there are oppositions. Là où tu es à ta place. Where you are in your place. Je prie que le Saint-Esprit te trouve. I pray the Holy Ghost finds you. Et que le Saint-Esprit commence à travailler. And the Holy Ghost begins to work with you. Que le Saint-Esprit commence à travailler. Let the Holy Ghost begins to work with you. Que le Saint-Esprit commence à travailler. Let the Holy Ghost begins to work with you. Que le Saint-Esprit commence à travailler. Que le Saint-Esprit commence à travailler. Qu'il y ait des délivrances. Relâchement de destinée. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Over says to me.